Touché. Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Psytrag. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la deuxième vidéo d'aujourd'hui. Oui, effectivement, il y a bien une deuxième vidéo. Elle sort un peu tard, mais c'est parce que j'ai fait plein de trucs. Et je vous la sors un peu que maintenant, mais c'était prévu. Aujourd'hui, c'est sur Pixel Gun 3D. Alors, il y en a beaucoup qui connaissent parce que c'est un jeu qui date un peu, qui remonte. Mais il est toujours dans l'air du temps. Il arrive toujours à tenir le choc, je trouve, dans ce qu'il fait, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils ajoutent et tout. C'est pour ça que je me suis dit que, vas-y, je le re-télécharge. Je me recrée un compte, du coup. Je vous en parle. Et en plus, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer comment avoir des diamants gratuits. Oui, monsieur, des dames, des diamants gratuits sans même aller voir des pubs, sans même regarder des vidéos. C'est tout simple. Si tu es sur Android, tu vas passer par l'App Gallery de chez Huawei. Les liens sont dans la description. Comment ça se passe? Tu vas télécharger Pixel Gun 3D avec l'App Gallery. Une fois que tu la télécharges avec l'App Gallery, tu te reconnectes sur ton compte. Et une fois que tu t'es reconnecté avec ton compte, tu vas tout de suite dans l'App Gallery. Tu vas dans mes cadeaux, tu verras au bout d'un moment, il y a l'App Gallery qui te propose de récupérer du coup 100 diamants gratuits. Tu n'as rien à faire, c'est Huawei qui te l'offre parce que tu as téléchargé le jeu via l'App Gallery. Et du coup, tu vas dans ta boîte aux lettres et là, il te propose de recevoir un cadeau de bienvenue. Voilà. Même si tu as un compte qui a 3 ans, tu peux quand même le faire. Et c'est ce que je vais faire du coup maintenant. Et voilà. Et du coup, maintenant, j'ai 109 diamants. Ça fait zizir. Je sais pas quoi prendre avec des diamants, donc pour le moment, je vais les garder. Là, je vois que j'ai des coffres à ouvrir. On va ouvrir et après on va partir en BR. J'ai gagné le canon de maïs. Ok, stylé, stylé. Ah, je peux ouvrir une box. Bah, vas-y, on va en ouvrir une. Hein. Comme ça, après je vais descendre à 100 et après c'est bien. Ok, le requin étincelle. Stylé. Écoutez les petits potes, on va faire une petite game. On va partir en Battle Royale. On va partir sur une grande map. En solo, c'est parti, let's go. Alors jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de mal à trouver du monde. Donc à croire qu'il y a encore du monde sur ce jeu. Peut-être pas beaucoup de Français, mais en tout cas, il y a quand même encore assez de joueurs sur ce jeu pour qu'ils continuent à vivre. Ok. Et ça, franchement, ça m'a surpris. C'est la fluidité quand même. Le jeu est quand même vachement fluide. Hein. C'est trop cool. On va attendre un peu avant de sauter. Et je pense qu'après, je vais couper la musique. Hein. Parce qu'elle casse un peu la tête, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Ah, la truc qu'elle se coupe. Ok. Ok, c'est bon, la musique elle se coupe. Alors, je sais pas si je suis tout seul, mais en tout cas, on va planter. Ok, bon, j'ai le parachute de base. Pas l'impression qu'il y ait du monde. On va pouvoir stuff tranquillement. Ok, un pompe. Il y a un coffre par là-bas. Ok. Eh merde. Non, on me dit pas que je vais mourir de ça quand même. Oh non, je suis vraiment bête. Ok, il y a deux coffres ici. Ok, grosse mitraillette. Il y a la zone. Je suis juste devant la zone, donc c'est bon. Ouais. En vrai, je l'aurais bien changé par ça. Putain, par contre, là. Oh non, merde, elle est bloquée là-haut. C'est pas grave. Le jeu m'a l'air relativement simple, graphique. Et ça, c'est plutôt cool. On va essayer de le pousser. Alors, ça, c'est quoi? Il n'y a pas d'arme là-dedans. Une grenade. Ok, là, il y a la zone qui va se refermer. Je vais regarder si je peux augmenter, mais... Paramètres graphiques, caméra inversée, effet sonore, commande. J'ai pas l'impression que je peux augmenter mes graphiques. Par contre, là, je fais que de ramasser et déposer l'arme. Donc, alors attends, bon, je vais me prendre celle-là. Hein. J'ai l'impression que je peux pas augmenter mes graphismes. La carte, elle est quand même balèze. Hein. Elle est vachement balèze, la carte. Oh putain, il y a la zone. Oh putain! J'ai pas vu s'il y avait la course automatique. J'ai pas l'impression. J'ai cru comprendre également qu'on pouvait modifier son HUD. On a encore 15 en vie. En vrai, là, je suis dans la zone. Hein. Je vais pas aller plus loin. Il y a un coffre là-haut. Ici, dans ces bâtiments-là, je pense qu'il y a forcément un mec qui va sortir d'ici. Ok, donc là, la zone va encore se refermer. Ok, système de rechargement. On n'est plus que 10. On va aller voir si on peut essayer de monter là-haut. Non, j'arrive pas à monter. Ok. Plus que 6. C'est dommage, je rencontre personne là. Touché. Je sais pas du tout si je l'ai eu. Enfin, si je lui fais assez de dégâts. Ouais, par contre, les dégâts tu je les sens pas, il me reste 30%. Vas-y, on va tenter. Hein. Ah, il y a un mec là. Mais attends, c'est quoi ça? Il y en a qui m'a tué. Eh, med. Bon, j'ai pas fait grand chose dans cette game. Donc là, je vais repartir en game. Et je vais essayer d'aller dans un endroit où il y aurait possiblement plus de personnes. Et on va voir. Non, j'ai pas envie de récupérer pour le moment. Let's go. On part également sur la même map. La map continent en double XL. Et du coup, en solo. Ok, donc on est 34. 35, 36. On est 36 dans la game. On va directement sauter dès qu'on peut.
Et c'est parti, hein, let's go. Hein. J'aimerais bien voir s'il y a une animation de kill ou autre. Ok, donc là j'aurai une box. Il y en aura une derrière moi à gauche. Il y en a une ici aussi. Avec un petit gun. Et je vais aller me prendre l'autre caisse qui est là-bas, la troisième. Caisse de grenade, ça c'est bien. Ah non, c'est un champi. Je sais pas pourquoi je l'ai mangé, je suis trop bête. Ok. Là où il y a un item de munitions, on va aller la ramasser. Je crois qu'il y a des échelles, je suis pas sûr. Voici. En fait, c'était en bas. Et en fait, on peut monter également. On peut regarder en 360. Pas l'impression qu'il y ait du monde. On va voir comment ça se passe la descente. Ok. J'ai tellement peur qu'il y ait des dégâts de chute. Plus je suis dans la zone. Le coffre bleu juste ici. On prend directement. On va monter là-haut, tranquillement. Donc je vais en avoir deux. Coffre de grenade, ok. Un item, c'est un nunchaku, j'ai l'impression. Je vais l'échanger contre ça. Là, dans celle-ci, j'ai quoi? Un bazooka. Oula, bazooka. Ouloulou. Attendez, il faut que je trouve un bon spot là pour faire une capture d'écran. Faire la miniature. Eh bien, bien sûr. Ah, mais si, il y a un arbre bien dégueulasse là. On va essayer de monter en haut de l'arbre. Alors, on va faire une petite capture d'écran. Oups là, comme ça, il y a la miniature. Il y a des coffres là-haut. Je sais pas si on peut. Ok, on peut monter. Tellement peur qu'il y a un gars qui arrive derrière moi. On va aller voir les coffres à l'intérieur. Ok, de lance-flammes. Une petite mitraillette. Ça tire quoi ça? Non, vas-y. Je vais garder celle-là. On dit toujours que c'est l'arme la plus grosse, la plus puissante. Là devant moi, il y a un item de bouclier, donc on va aller la ramasser. Top 15. J'ai encore pas croisé personne. Pourtant, il y avait un mec qui a spawn là où j'ai atterri. Hein. Attendez, c'est un grappin ça? C'est un grappin, je crois. Désolé, attends, les nunchaku, ça fait quoi quand on les lance? Ok, d'accord. Pas ouf. Et donc ça, du coup, j'imagine que ça va me permettre de... Oh, trop stylé. Putain, je croise encore personne. Hein. J'ai peur de prendre des dégâts de chute. Se trouve, là, vous êtes en train de rigoler, en train de vous dire, mais il n'y a pas de dégâts de chute. Moi, j'ai tellement peur. Je vais longer la zone tranquillement. Essayer de faire du repérage. Ok, donc si, y a un mec qui est mort. Donc si y a un mec qui est mort, c'est qu'il y a forcément quelqu'un. Dis-moi que le grapple, il marche là-haut. Mais non. Ok, y a un mec là-bas. Ok, mort. Et ouais, non, par contre, j'avais pas prévu ça, moi, la zone. Yeah. Je suis vraiment mort dans la zone. Bon les petits potes, j'espère que cette petite vidéo avec les quelques gameplays que j'ai fait vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà joué ou si bien même vous connaissez pas et si vous avez arrêté, pourquoi. N'oubliez pas les 100 diamants gratuits via l'app Galerie. C'est tout bête, mais ça peut servir. Et puis écoutez les amis, je vous fais plein de gros bisous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Le pouce bleu, le petit commentaire comme d'habitude. Et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Psytrag, bye bye.